utiliser cette petite machine. C'est la machine DeLonghi ECP33.21. C'est une petite machine barista qui fait 4 kg, donc pas très lourd. Elle est très compacte. Niveau qualité-prix, elle est super. Et on va voir ce qu'elle peut faire, les gadgets qui viennent avec. Et on va faire un café ensemble. Elle a une chaudière en acier inoxydable, ce qui fait que la chaleur ne va pas détériorer votre machine sur le long terme et que votre chaudière chauffe très rapidement. Maintenant, on va regarder un peu ce que cette machine, tous les gadgets qu'elle a. Elle a déjà 3 porte-filtres, donc 2 pour le café moulu, une tasse ou deux tasses, et pour les dosettes ESE. On va regarder de plus près après. Maintenant, ces dosettes, vous pouvez aussi les ranger ici. Je trouve ça génial, comme ça on n'a pas besoin d'y mettre dans un placard, y perdre, etc. Elle sera toujours sur votre machine. Et celle que vous utilisez, par exemple, si c'est pour les dosettes ESE, sur votre porte-filtre. Donc vu que je vais vous faire un café avec la dosette après, je le laisse ici. Le bac à eau, qui s'enlève très facilement, fait 1 litre et 100 ml de contenance. Par rapport aux touches, donc très simple, déjà je vais vous la mettre sur le côté pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, vous l'enclenchez, donc il y a le bouton on-off. Très basique, vous avez une seule touche avec 3 différentes options. Un, activer la vapeur, l'autre, faire votre café ou l'eau chaude. Et au milieu, c'est pour arrêter votre café. Vous mettez sur la vapeur, vous faites chauffer votre chaudière et ensuite vous enclenchez, quand vous êtes prêt, votre vapeur. Quand vous avez fini, vous fermez sur le côté et vous fermez aussi de ce côté sur le milieu. Si vous voulez vous faire un café, vous mettez soit votre café moulu, soit vos dosettes ESE et vous activez, vous enclenchez pour faire votre café. Si vous faites de l'eau chaude, vous n'avez qu'à vous mettre sur cette position aussi et activer sur le côté. Les 3 filtres que j'ai, ce sont des filtres pressurisés, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de trous à l'entrée et un seul trou à la sortie. C'est-à-dire qu'une chambre de pression va se créer, ce qui va permettre de monter la créma en mousse. Ce filtre-là, c'est le filtre qui a une petite dosette. C'est tout simplement pour mes dosettes ESE. Ce filtre-là, c'est pour le café moulu. Une portion. Et celui-ci, c'est pour le café moulu, 2 portions. Maintenant, on va faire un café avec les dosettes.